On va aller plus loin que trop parce qu'il faut aller au resto. L'agenda de la peur et du COVID, c'est le jeu des démocrates. La grippe n'est pas disparue comme par magie. Donc, j'ai des bonnes raisons de croire que tous ceux qui ont attrapé le COVID, c'était pas le COVID qu'ils ont eu, c'est la grippe. Alors, je ne regarde pas les médias et il vaut mieux pas parce que je pense que les médias racontent beaucoup de conneries à ce niveau-là. Depuis le début de la pandémie, on voit davantage de fausses nouvelles se partager sur les réseaux sociaux. L'Organisation mondiale de la santé a même qualifié d'infodémie la période qu'on traverse actuellement. Les contenus conspirationnistes ont tendance à se diffuser de manière presque autant virale que le virus lui-même depuis le début de la pandémie. Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire qui soulève bien évidemment tout type de théories, qui nourrissent tout type de fantasmes liés à nos incertitudes. Et c'est le propre de l'esprit humain d'avoir des fois des doutes. Ceux qu'on appelle les conspirationnistes disent faire leurs recherches et passent plusieurs heures par jour depuis le mois de mars à essayer de faire des liens pour expliquer l'origine du virus. Comme scientifique, je sais très bien faire mes calculs, je sais très bien faire mes recherches. J'ai donc essayé de suivre leurs traces pour comprendre comment on pouvait en venir à ne plus croire les médias traditionnels. Après une semaine à naviguer plusieurs heures par jour à travers leurs vidéos, je suis pas devenue conspirationniste, mais ils ont parfois réussi à semer le doute dans mon esprit. Comme lorsqu'Alexis Cossette-Trudel abordait l'entrevue du docteur Lawrence Rosen qui semblait affirmer que la COVID-19 était comparable à la grippe saisonnière. Mais il vient de dire que c'est probablement pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Alors ça, c'était le 14 septembre dernier. C'est confirmé, la santé publique du Québec vient d'affirmer que le COVID n'est probablement pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Voilà! J'ai dû googler pour avoir accès à l'entrevue complète et aux explications derrière cette affirmation-là. Le docteur était d'ailleurs dévasté que ses propos aient été mal interprétés et utilisés de manière abusive. L'éducation, c'est certain que le milieu professionnel dans lequel vous êtes, votre niveau d'instruction, peut faire en sorte que vous allez plus exercer votre sens critique. Ceux qui se font prendre par des théories du complot se retrouvent pour la plupart dans ce qu'on appelle des « rabbit holes ». C'est une métaphore provenant du film Alice au pays des merveilles qui explique que certaines personnes peuvent tomber dans un trou et être constamment exposées au même type de contenu, notamment à cause des algorithmes. On peut expliquer le rôle des algorithmes comme étant un peu le rôle que jouent les libraires ou les bibliothécaires, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire des choix dans un grand nombre de contenus. Et ce choix, il n'est jamais neutre parce que le libraire ou le bibliothécaire va décider de « Oh, c'est quoi la nouveauté? C'est quoi le contenu le plus récent, celui qui émeut le plus le public, le plus populaire ?» Et donc, les algorithmes fonctionnent sur le même principe de sélection et de hiérarchisation. L'algorithme de YouTube, par exemple, est responsable de 70% du contenu qu'on consomme sur leur plateforme. C'est pour ça que même si au début, je consommais du contenu plus modéré, comme celui d'un chirurgien qui nous parlait du port du masque, je finissais au fil de mes écoutes à tomber sur du contenu plus radical. Comme le documentaire Covidance qui met de l'avant des acteurs du mouvement anti-masque au Québec. Qu'est-ce que vous pensez? Je n'en reviens pas que les artistes ne pensent pas. C'est quoi un film avec des distanciations sociales? C'est quoi ça? Depuis 2019, YouTube a décidé de s'attaquer au contenu conspirationniste. Actuellement, quand on tape COVID-19 et 5G, on tombe sur des vidéos de France 24, de l'AFP ou de Radio-Canada qui démentent les fausses nouvelles. On n'a donc pas toujours accès facilement à des contenus alternatifs, mais ils sont quand même disponibles et peuvent nous être proposés par les algorithmes. Les personnes à risque, c'est bien évidemment les personnes qui, par nature, étaient déjà anxieuses, qui se retrouvent dans un contexte de confinement, isolées, seules devant les écrans, et qui, en cherchant de manière légitime des réponses à certaines questions, vont tomber sur des contenus qui essaient de mettre en avant, par exemple, les failles ou les contradictions des discours officiels. Et puisqu'une partie de la population vient de tomber dans un deuxième confinement, ça ne va pas aller en s'améliorant. On va retourner dans nos salons à scroller nos écrans. Avec les mesures qui sont prises et qui nous confinent encore et qui font en sorte que nous multiplions notre consommation de vidéos et de contenus en ligne, nos habitudes de consommation culturelle et de contenus d'information sont toutes liées maintenant à nos fils d'actualité sur nos réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux-là sont devenus un peu le théâtre de la désinformation actuellement. Puis en attendant le retour à la normale, s'il y en a un, on fait quoi? Tout le monde peut en avoir une opinion, tout le monde peut en avoir un avis sur un sujet donné. Et donc le plus important, une fois encore, c'est de toujours les amener, ce genre de personnes, à essayer de réfléchir, à essayer de remettre un peu en cause ce qu'ils pensent comme étant leur vérité à eux.